Bonjour, alors on continue avec la présentation de la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms avec le numéro 70. Écoutez, je suis de nouveau quand même assez étonné de voir que les grosses pièces que contient donc, ce fascicule sont présentées devant et non derrière. C'est quand même assez étonnant. Reste que c'est une grosse pièce. Avec le Curdos Valentian, je ne sais pas si c'est un rapport avec la Saint-Valentin. On va voir ce que ça donne, en tout cas déjà au niveau des grappes. Alors, donc trois belles grappes en fait, parce que même si on a deux qui sont liées, visiblement c'est par trois. Et je vous l'avais dit, c'est un gros morceau, donc du coup, il y a un gros socle. Voilà. Et on va commencer par celle-ci. Alors déjà, on observera que il y a deux espèces de serviteurs ou je ne sais quoi avec des crânes hurlants. Hein? Là, on a un trône avec des âmes torturées, j'imagine. Là, un trône de pierre. Voilà. Et donc là, on a les suivants là. Donc que ça, logiquement, ça doit être la tête de celui qui est sur le trône. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique et je dois vous l'avouer, j'ai vraiment hâte de pouvoir travailler là-dessus. Je pense que ça va être sympa, comme tout, de le faire. En plus, l'illustration, franchement, parce que vous l'avez pas vu du coup. Mais voilà, c'était caché par les grappes. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Bon, malheureusement, les couleurs autour font qu'on voit pas vraiment la figurine correctement. Voilà, mais voilà, si j'approche un petit peu, déjà un petit peu plus net, c'est juste magnifique. Donc du coup, justement, j'aimerais bien savoir ce que nous réserve ce fascicule. Alors, numéro 70, avec Curdos Valentian, Tyrion le dieu. Alf et phalange purificatrice. D'accord, donc c'est des gens qui étaient à deux doigts d'être purifiés. C'est la phalange purificatrice. Hop, donc le roi Vol est arrivé. Ce numéro vous est livré avec l'un des esprits entenus les plus puissants des royaumes mortels. Plongez-vous dans l'histoire de Curdos Valentian, assemblez-le, peignez-le et éprouvez-le grâce à un plan de bataille effroyable. Ouh là là! Bon, bah pour une fois qu'on a des pages qui concernent vraiment les pièces qui nous sont livrées avec les fascicules, c'est cool. Très très belle illustration au passage. Donc Curdos Valentian, un jour, j'aimerais bien qu'ils nous disent comment ça se prononce ces trucs-là. Le roi Vol observe le champ de bataille pour déterminer le meilleur endroit où frapper. Le roi Vol compte parmi les entenus les plus redoutables, doté d'une puissance équivalente à celle de Dame Hollinder. Curdos Valentian est un stratège né doublé d'un combattant exceptionnel. Les champions qui osent le braver subissent son amère colère et périssent sous sa lourde masse. Là là. Donc ça, c'est la même image que ce qu'on voit sur la couverture. Tacticien chuchoteur, d'accord. Et lieutenant d'Hollinder, ok. Alors, ordre Tyrion, préservation des Idoneth, l'hémisphère de Tyrion. Et l'autorité de Tyrion. Bon, ok. Guide d'assemblage, Curdos Valentian. Coupe précise, coupez d'abord les pièces fragiles pour réduire la tension sur les sections plus fines. Avec la grosse pince coupante qui est livrée, en tout cas pour les abonnés, c'est pas évident. On y reviendra, ça. Il faudra que je vous fasse un sujet sur les pinces coupantes, ça serait pas mal. Collage précis, parce qu'il y a du collage. Sous-assemblage. Donc tester l'assemblage des pièces avant de les coller. Ok. Donc là, forcément, donc la colle est indispensable. C'est un peu comme les nuées d'esprit, je pense que ça va être rigolo. Là, une toute petite pièce ici, ça doit être une tête. On met le reste ensuite. J'aurais fait le contraire, mais c'est bizarre. Ok. Donc ça, c'est les deux côtés du trône avec donc les esprits chuchoteurs, là, j'imagine.
c'est vraiment pas évident à comprendre. Là, ils mettent ça là. Du coup, après, il faut mettre ça. Et alors, ça? Oh, purée! D'accord. Non, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire par là. C'est quoi comme signe, ça? Je ne sais pas. Regardez, bon. Bah oui, il faut que ce soit derrière, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Puis coller sur le socle. Appuyer une boule de pâte adhésive sur le siège du trône, laissez là le temps de prendre le sous-assemblage. Vous disposerez ainsi d'une zone à nu où vous appliquerez la colle. Ouais. Bon. Et donc là, du coup, c'est le roi Veul. Et guide de peinture Kurdos Valentian, blablabla. Ça a plein 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 de peintures. Forme éthérée et trône. Corax White, Mechanicus, Standard Grès pour la pierre. Mais il n'y a pas que de la pierre, donc il y a du Nalcoxide donc sur la partie éthérée, on va dire. Un Graxer Shade. Pour une transition plus douce, n'ouvrez pas la zone où la fumée rencontre la pierre. Ouais, je sais pas si je ferai comme ça. On verra. Armure en lait de Belcher, je vois pas l'intérêt puisque ça sera rouillé. Un carcet flèche pour les crânes, ok. Canterblue pour les suaires, et moi je suis toujours pas pour. Bon, cape, couronne et masse, par contre en Balthazar Gold, bâton, Balthazar Gold, drapeau. Étonnamment, moi je le voyais plutôt vert, plutôt que rouge, parce que le rouge et le vert, du coup, ça va être très très difficile de faire une transition de l'un à l'autre. Hein. Enfin bon, on verra. Utiliser le guide du numéro 33 pour peindre le socle de la figurine. C'est bien qui rappelle les anciens tutos. C'est très bien. Réo. Ok, cap, drapeau, crâne, métal, rouille, oxydation. C'est très complet du coup. Hein. On sent qu'on est sur la fin, qu'on est supposé avoir tous les éléments qui permettent de faire de belles figurines. Et voilà, la figurine terminée. Alors, je le ferai définitivement pas comme ça. Mais c'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. Mais bon, pour moi, c'est pas terminé. Mais voilà. Hop. Phalange purificatrice, le roi Veul. Donc du coup, on a encore quelque chose sur la figurine qu'on a là. Les chasseurs du roi Veul éparpillent les éternels pour exposer leur chef. Ok. Et donc, en direct des royaumes mortels, le numéro 71, que je ne pourrais pas vous présenter puisque je ne l'ai pas, et quand est-ce que je le recevrai? Bah, à mon avis, assez tardivement, si je ne le reçois jamais. Donc, statut de Griff Dog pour le numéro 71. Et donc, numéro 72, Dame Hollinder, Mortarque du Deuil. Et là encore, bah, une figurine pratiquement identique au roi Veul, hein, quelque part. La version, on va dire, femme, avec donc ça me rappelle la reine des ronces, et ça m'a l'air superbe aussi, hein. Voilà. Vraiment ravi de voir cette figurine, et j'ai hâte de recevoir ce numéro 72, donc ça va être cool. En tout cas, on en a fini avec ce numéro 70. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, si je le reçois, pour le numéro 71.